Good morgen, allez, Idaïne, je serai aujourd'hui le Nishmat David Ben Fortunazal Fritna et Lucienne Bat Reina. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez sa communauté éternelle. Nous étudions le Sechet Nazir, Perike, Mishnah Zain. Ra'a et Akoy Vamar. Areni Nazir Sheze Chaya. Areni Nazir Sheze Eno Chaya. Areni Nazir Sheze Be'ema. Areni Nazir Sheze Be'ema. Areni Nazir Sheze Chaya ou Be'ema. Areni nazir she'en ze lo chaya ve lo be'ema. Areni nazir she'chad mikem nazir. Areni nazir she'en echad mikem nazir. Areni nazir she'kulcham nazirim. Are kulam nazirim. C'est l'histoire de 9 personnages et un mouflon. Un mouflon. C'est quoi un mouflon? C'est pas exactement un mouflon. Un mouflon. Il y a un animal qui s'appelle le koi, en prononciation sfarad et témanite, qui vit, pour la prononciation ashkenaz, selon la Massoret. Et en général, dans les mishnayot, c'est toujours qu'on tuait koi. Initialement, les juifs de Pologne appelaient ça plutôt le kvi, koi, kvi. Et c'est un animal, en fait, une sorte de mouflon, un peu une sorte de mouton sauvage, qui est entre le mouton et le tzvi, le cerf, le faon, ça fait partie de cette famille-là, quoi. Il est entre les deux, et du coup, il fait sujet de grandes discussions dans la Gemara, dans la Mishnah, entre les Tanaïm. À savoir, est-ce qu'il est une sorte de behema ou une sorte de chaya? Pour plusieurs halakhot dans la Torah, on distingue les behemoth des chayot. Behemoth, c'est des animaux domestiqués, et chaya, c'est un animal sauvage. Maintenant, sauvage ou domestiqué, c'est pas nécessairement est-ce qu'on l'élève à la maison ou pas. C'est vrai que de manière générale, les animaux domestiqués sont, de manière générale, beaucoup plus dociles, et ils se plient aux règles, ils aiment bien vivre chez nous, on leur donne à manger, ils sentent en tranquillité, alors qu'un animal sauvage aime bien aller gambader et manger trouver sa nourriture. C'est un animal, entre parenthèses, le coq, c'est un animal qui se nourrit d'herbe, comme un mouton, de ce côté-là. Et voilà, donc ça, en fait, c'est un mouton sauvage, un mouflon, quelque chose comme ça, que j'ai fait des petites recherches un petit peu Wikipédia. Il y en a qui ont apporté des photos, je ne sais pas dont ils en ont eu. Bref. Peu importe, on ne sait pas exactement ce qu'il est défini. Maintenant, pour plusieurs halakhot, il y a des halakhot spécifiques au behemoth, il y a des halakhot spécifiques au chayot dans la Torah. À savoir, par exemple, l'interdit de chélev. On n'a pas le droit de manger, il y a des graisses interdites dans les bovins et ovins, dans les vaches, les moutons. Des graisses interdites, tandis que celui qui mangerait du cerf, il a le droit de manger toutes les graisses, il n'y a pas de graisses interdites, il n'y a pas de chélev. Il n'y a que du chouman. Il y a inversement, lorsqu'on fait la shrita d'un poulet, par exemple, on doit recouvrir le sang. D'une vache, d'un mouton, on ne recouvre pas le sang. Si c'est d'un animal sauvage, une chaya, alors il faut, oui, recouvrir le sang. Il y a comme ça toutes sortes de halakhot qui dépendent. Même pire que ça, les interdits de croisement. Avec qui on peut la coupler? On veut laisser pour qu'il amène notre petit. Est-ce qu'on aura le droit de le laisser avec un mouton? Ou avec. Il faut laisser chaque famille indépendamment. Est-ce que c'est un mouton? Ou il appartient au BMA ou au Chaya? D'accord? Il y a sur ça une Mishnah dans Maseret Bikurim. Si je ne me trompe pas, bien sûr. Ouais. Et dans Maseret Bikurim, Perik Bet, logiquement. Il y a là-bas une Mishnah entière qui traite de toutes les singularités. En quoi il est semblable au halakhot des behemoth, semblable au halakhot des chayot, en quoi il est considéré ni comme l'un ni comme l'autre, et en quoi il est considéré comme les deux. Notamment, il faut aller voir la shrita, parce que quoi qu'il arrive, si tu veux le manger, que tu manges une behema, que tu manges une chaya, il faut aller voir la shrita. Donc là, il sera semblable aux deux. Il faudra lui faire le kisou yadam, mais tu n'auras pas le droit de manger les graisses. On fera tout la chumra comme ça. Il y a plusieurs avis même, d'ailleurs. Est-ce que c'est en réalité c'est un safek? Ou est-ce que c'est un croisement? Son origine, est-ce que c'est en réalité c'est un croisement initialement entre un mouton et un cerf? Ou bien est-ce que non, c'est une espèce indépendante qu'on a eu du mal à trancher? Il y a tout ça, toutes sortes de discussions. C'est un safek assez complexe qu'on en parle systématiquement dès qu'on a l'occasion d'en parler dans chasse sous forme de sous plusieurs aspects. Il y a maintenant dans notre Mishnah, je vous ai dit, c'est l'histoire de 9 acteurs et un mouflon et un koï.
Les neuf facteurs, en fait, c'est selon le même principe avec la Mishnah, les Mishnah précédentes, où on a chacun qui voit les choses. On a quatre jours directement, vous allez tout comprendre. Il y a, en fait, il y a six acteurs que d'abord, quand ils voient le mouflon, chacun il prend un vœu de Nézirut en disant soit que c'est une chaya, soit que c'est pas une chaya, soit que c'est une bema, soit que c'est pas une bema, soit que c'est à la fois une chaya et une bema, soit que c'est ni l'un ni l'autre. On a déjà fait six. C'est les six premiers cas de la Mishnah, c'est les six premiers acteurs de la Mishnah, c'est ce qu'ils ont dit. Ensuite, une fois qu'on a eu les six, que chacun il a dit qu'il sera Nazir, si c'est un mouflon, si c'est une béma, si sera, il sera Nazir, si ce n'est pas une béma, il sera Nazir, si c'est une raya, il sera Nazir, si ce n'est pas une raya, il sera Nazir, si c'est à la fois une raya et une béma, il sera Nazir, si c'est ni l'un ni l'autre, étant donné qu'on a un safek sur tous les cas de figure, donc chacun il sera safek Nazir. Arrive ensuite le 7, 8, 9, chacun avec maintenant son originalité, il y en a un qui dit, moi je suis Nazir, s'il y en a un de vous qui est réellement Nazir, je suis Nazir, et bien, étant donné qu'il y en a un qui est réellement Nazir, il sera Nazir. Et s'il y en a un, vous qui n'êtes pas nazir, je suis pas nazir, alors dans ce cas-là, eh ben, réellement, nous, on a un safek, mais concrètement, chacun, il est safek nazir, donc il est possible qu'il y ait des gens qui ne soient pas du tout nazir. Donc lui aussi sera nazir, mais tout ça, mais safek, parce que peut-être en réalité, ils sont tous nazirs, parce qu'il faut bien comprendre que c'est peut-être aussi un animal qui est considéré comme, à la fois comme une BMA, comme une raya aussi, pourquoi pas. Tout, il y en a plein de sphécotes sur le koï. Il y en a le dernier qui arrive et qui nous dit, moi je suis nazir si vous êtes tous des nazirim. Or, ils sont tous des nazirim, safek. Donc il sera lui aussi Nazir. C'est pour ça qu'on va avoir 9 Nazirim et face à ce Koï. D'accord? On refait tout ça dans les mots maintenant, avec une précision importante aussi. Cette Mishnah peut être interprétée de deux manières. Soit selon Beth Shammai, que Neder Taout avait Neder, même quand on prononce un Neder en se trompant, c'est quand même un Neder. Et donc là, dans ce cas-là, parce qu'au moment où on prononce le Neder, on a plein. On a un moment où on pense qu'on va prendre la Nazir coûte que coûte. Et donc dans ce cas-là, ils deviendront nazis, ils sont tous nazirs, mais Torah de Vadaï. Ça, ça va même selon Beth Hillel, comme on a expliqué, parce qu'en réalité, tout le monde a au moins un safek sur lui, et donc dans le doute, ils seront tous nazirs, mais safek. On fait tout ça dans les mots maintenant. Ra'et a koi, il a vu le koi, ve'amar, et il a dit, le premier, il a dit, arène nazir chez Zechaya. Il a dit, ah, si c'est une chaya, je suis nazir. Le deuxième, il a dit, attention, arène nazir chez Zeheno chaya. Moi, je suis nazir si c'est pas une chaya. C'est une BMA, c'est pas une chaya. C'est un animal. Ce n'est pas un animal sauvage, c'est un animal domestiqué. Areni Nazir chez Zebema, Areni Nazir chez Enzebema, donc ça fait déjà 4. Il y en a un cinquième qui vient qui dit Areni Nazir chez Zechaya ou Bema, je suis Nazir. Si toutefois c'est une Chaya, une Bema à la fois, les deux en même temps, moi aussi je suis Nazir. Et Areni Nazir chez Enzelo Chaya, Velo Bema, quelqu'un qui dit non, moi je suis Nazir si c'est ni une Chaya, ni une Bema. Et réellement, puisqu'elle a dit à la chôte qu'il ne les considère ni comme Chaya, ni comme Bema, parce qu'on ne pourra pas la coupler avec aucun des deux. Donc dans certains aspects, celui-là aussi, il dit quelque chose de juste. Il n'est ni une chaya ni une béma sur certains aspects de la chôte. Pour les lois des accouplements des animaux, tu pourras le considérer ni comme une chaya ni comme une béma. Donc ce qu'il dit, c'est une phrase qui se vérifie, qui est juste. Aré Nazir chez Echad Mikem Nazir. Ensuite, il y a le septième maintenant qui arrive et qui dit moi je suis Nazir, s'il y en a un de vous qui est Nazir, moi je suis Nazir. Donc, voilà. Aré Nazir chez En Echad Mikem Nazir. Moi et l'autre, le huitième, il arrive et dit moi je suis Nazir, s'il y en a un de vous chez En Echad Mikem. C'est-à-dire, faut dire comme ça. Chez Echad Mikem et non Nazir. Il y en a un de vous qui n'est pas du tout Nazir, et réellement, c'est possible qu'il n'y en ait aucun Nazir. Alors, Nazir, chez Kulchem Nazirim, et le 9e, il arrive, il court en tout, il dit allez, tous, si vous êtes tous des Nazirim, chez Nazir, et réellement, ils sont tous des Nazirim. Parce qu'ils sont tous en Nazir Misafek, selon Beth Hillel. Et voilà. Et donc, du coup, la Mishnah conclut en me disant dans ce cas-là, Arikul Nazirim. Tous ces gens-là seront tous des Nézirim. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov.